Thank you.
nom de Jésus. Amen. Tu as quelqu'un qui est béni. Tu as quelqu'un qui est béni. Alléluia. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes appelé à vos prières. Et tu veux dire la présence de Dieu. Vous êtes appelé. Il n'y aura pas de Amen. Bientôt, ça fait un an que nous sommes ici dans cette région. C'est la région de Nord d'Ivoire, c'est du Divo. Le département des Divo. C'est la région de Nord d'Ivoire. Nous sommes dans la sous-préfecture de Kiré. Il est spécialement. Précisément à Zaroko. Amen. 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 Chacun connaît mon histoire. Je suis entré ici sous l'invitation. D'abord, il y a une jeune dame qui souffrait depuis Paris. Et celle qui m'a contacté. Et j'ai dit à la dame que chez toi se trouvait un canari. Un canari mystique qui faisait que je jouais sur toi. Parce que c'est le mal de l'Afrique, la sorcellerie. C'est le mal de l'Afrique. Quand je me suis rendu ici à Zaroko, Dieu m'a donné une les gens sont venus, les sorciers. En tant que le village venait de faire une dame, l'ancien député de Iré, c'est ça, non? Il est député. Comment est-ce que en tant sa chair était là. Je suis allé détruire chez elle à la maison. Je ne suis pas venu pour cette diminution. Je suis allé canari chez elle. Et après ça, j'ai détruit le canari à l'entrée de cette porte-là. Un canari qui avait un parfum, des choses bizarres. Après, le canari. La femme qui s'ouvrait depuis Paris, elle était guérie. Elle a pris son vol, elle est venue. Elle est rentrée ici. Et c'est comme ça le village m'a invité. Et le village voulait que je prie. Si vous voulez, laissez-moi une lettre d'invitation. Allez légaliser la lettre. Le problème n'est pas fini en le village. Parce que l'être ne voulait pas, l'être vous voulez. Ceux qui ne voulaient pas, ce n'est pas nombreux. Ils allaient contacter les autorités. Le monsieur là qui vient, patati patata. Je l'ai dit à la chefferie qui se trouvait un cardinal mystique dans leur hôpital. Le modèle est conçu depuis 1980, qui est de ça? Ils n'ont pas affecté le chef de médecin infirmier. Et c'est lui devant le chef, le Alpha 9, nous avons cassé. Le cardinal, c'est lui qui a demandé de mettre le bras, la main. Et celui qui a tiré le cardinal, lui. Celui qui a tiré le cardinal, il est juste poursuivi. Ils m'ont affecté un infirmier. Amen. Vous dites quoi? Que la sorcellerie met frein au développement. J'avais un problème d'eau ici à Zaroko. Ils ont fait des châteaux d'eau. Zéro. Ils sont. Il y a des compteurs d'eau, ils n'ont pas d'eau potable. Nous, on peut pleurer. La machine est venue nous creuser un forage ici. Oui, il y a un couille. Le fer s'est fondu comme si c'était dans un fou. Et il y a un mot. Ici. Amen. C'est moi qui leur ai annoncé que les temps qui vont suivre, les temps qui suivront, vous allez voir le miracle de Jésus-Christ. Et c'est devant moi que la société minière est rentrée. Ils sont allés creuser le forage. Ils ont trouvé de l'eau. Amen. Amen. Et j'ai pris cette peau là aussi. Le village aussi a consommé cette peau. Et celui qui détenait la clé, de l'eau, le monsieur là, a fait des aveux. Il a libéré la clé. C'est comme ça la pub.
les gens plus prisés, des corporats, vont plus rien. Amen. Mais laissez-moi vous dire, lorsqu'ils m'ont dit, quand les gens refusaient que je ne prie pas pour le village, dès que j'ai donné tôt, ils avaient dit, en une semaine, il est mort. Ils ont mangé, trois personnes l'ont tué. Parce qu'il y a souvent des choses qui nous dépassent. Comment 10 personnes peuvent mourir à une semaine? Il y avait un village, un petit village comme ça. Amen. Donc les jeunes ont marché. Les gens ne voulaient pas, ils ont même marché, pour aller tester, en arrière, en préfecture. Souvent, Dieu leur a dit non. Non. S'il vous plaît. On ne marchera pas pour Crasso. Si Crasso est de Dieu, Dieu le ramènera ici. Amen. Parce que la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par la puissance de Dieu. Dieu est capable. On marche là. Il est capable de transformer la souffrance. Et c'est comme ça qu'on a laissé entrer dans le village. Je crois que toute la jeunesse du bâtard, on les a apaisés parce que les gens, c'était le ras-le-bol. Vous voyez les gens mourir à quoi? Oui, ici c'était vraiment la mort, pas possible. Et lorsqu'ils m'ont demandé de revenir, c'était chez le chef. J'ai levé les mains. Et j'ai parlé au village. J'ai versé de l'huile. J'ai dit, maintenant là, c'est fini. Amen! J'ordonne aux sorciers de ne plus manger les gens. Si vous voulez manger, je suis là. Vous avez dit, amen, poli. Moi, je suis choubouillé, empoisonné. Amen. Vous voyez, dans une maison, quand vous attrapez souris, on empoisonne bien. C'est un piège. Si vous voulez manger, ça le sèche. Maintenant, ça sèche. Il est dit, venez me manger. Mais ils sont venus. Oui, bien. Parce que j'étais venu dire au chef village, à la chefferie que je revenais. Au jour où je suis revenu d'avoir un enfant, j'étais là, j'étais une fois, deux fois filé ma patte. C'est moi qui l'ai attrapé. Il dit, mais petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on a dit de venir t'attraper. Il a dit, je vais manger. Il y avait un pasteur qui était là. Pasteur, c'est ici. Pasteur. Arrête, oui. Il y a une confrérie qui a été démasquée. Et il y a une personne qui a tué 300 personnes. Monsieur lui. Ah, ok, il y a 350 personnes, vas-y. 350 personnes. Ici dans ce village. Il avait pour la même sa fille depuis Paris. Elle va mourir en fin d'année. On a tombé. Nous avons prié. Délivrer le monsieur lui-même et toute sa confrérie. Non, 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 non. Amen. Amen. Et depuis lors, je vous assure, je ne sais pas si c'est faux, ou que vous me prédit, je peux peut-être m'en dire. Mais vous êtes là, c'est votre village, c'est mon village. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais assisté les funérailles, je ne crois pas bien funérailles d'un jeune. Il y a un grand jour, il y a un grand jour. Vous connaissez bien mon village. Ah, il y a un jour. Les gens étaient étonnés qu'en décembre, il n'y a pas eu de mort. Et en décembre, je suis passé, c'est là que la dame est morte. Mais déjà, je suis un émoi. Et pour ça, nous avons organisé Arbre de Noël. Organisé Arbre de Noël ici à Zavero, où j'ai donné 1000 jouets aux enfants. 1000 cadeaux. Et ça nous a fait 1 300 000 francs. 333 000. Et nous avons organisé une compétition de football. Dans le monde, pour permettre à la jeunesse de revenir au village. Parce que le ministère a fait. Et moi, Crasso, j'ai fêté ici. Le 25, j'ai fait ici le 21, 31 et le 1er janvier avec vous. J'ai même invité la chefferie, les jeunes. Nous avons tous mangé ici. Je n'ai jamais dit aux gens de laisser les sorciers de haïr les personnes parce qu'elles sont sorcières. Non. Au contraire, j'ai toujours présenté la sorcellerie comme une maladie. La preuve, c'est que je suis en train de me cuire.
même les sorciers délivrés. Bien enfant, il était sorcier de Gogombo. Lui, il a attaché ses parents. Dès qu'il est délivré, les parents, ils ne le prennent plus. Il est là, il y a un mois ici. J'ai beau faire, quand je vois mon numéro, il vient, le papa coupe. Ça va se rendre, mon frère, le correspondant ne peut pas te joindre. Oui. J'ai dit, l'homme a droit à la vie. Si je pense que il serait pas en sécurité. Mais je vois qu'il n'y a pas d'amour. Et on peut mieux garder l'enfant. Donc j'ai pris l'enfant en charge. C'est moi qui l'ai habillé le 1er janvier. Ça va être vivant les laisser. C'est moi qui m'occupe de lui. Ça nous réduit. Ses parents sont tout prêts. On sont même les policiers. Même quand je prends les filles, tu me dis merci. Voilà, t'as fait. Mais le petit m'a attaqué quand je suis à Droitville. Il m'a essayé sa sorcellerie. Oh, bon, il y a beaucoup. Mais oui. Mais je l'ai récupéré. Je l'ai gardé ici. Désormais. Je m'occupe de lui. Je vous dis, depuis que je suis dans votre zone ici, parce que j'ai fait des procès et j'ai délivré les sorciers, 867 sorciers ont été délivrés. 867 sorciers. Nous avons délivré 867 mangeurs d'art pour ce canton. Amen. 867 sorciers. Amen. Nous avons commencé le combat depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui avec 4150 sorciers délivrés. C'est à 138, mais puisque nous avons poursuivi la délivrance des autres, ça fait maintenant 150 sorciers. Amen. Il y a des sorciers qui viennent d'eux-mêmes pour se faire délivrer. Oui, parce que c'est une maladie. C'est une maladie. Il est fou, il est fou. Comment comprenez-vous que quelqu'un là, il mange son fils? Il a dit, je vous montre la Bible. La Bible dit dans Exode 20, verset 13, tu ne tueras personne. Et ce qui est évident, que nous-mêmes, nous quittons le droit de l'homme. Parce qu'il y a la criminalité spirituelle, lui ne peut nier ça. Personne ne peut discuter de ça. Nous avons notre culture à nous, qu'on appelle la culture africaine et occidentale. Après, c'est que notre président de la République, son excellence, a